Πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουν. Η σέντρα. Il y a de l'espace, un appel de Vieira. Zidane, retour sur lui-même. Oh oui, oui ça c'est bien joué. C'est Pouilleux. Thank you.
fallait faire un match énorme, on l'a fait, je crois qu'on a tenu physiquement. C'était le plus important, on a vraiment joué bien regroupé, on s'est bien serré les coudes. Et je crois qu'encore une fois, on mérite notre victoire. On n'a pas envie de s'arrêter là, c'est tellement beau. Encore deux. Lundi 10 juillet, l'équipe de France, vice-championne du monde de football, est reçue à l'Elysée par le président de la République qui est rentré la veille de Berlin. Seul Fabien Barthez est absent de ce déjeuner donné dans les jardins présidentiels. En amenant la France une deuxième fois en 8 ans, en finale de la Coupe du Monde,
vous nous avez donné un immense bonheur et aussi une immense fierté. Une dernière fois, l'équipe de France reprend le public français conquis par cette épopée. Tyran. Les deux équipes qui étaient en finale méritaient d'être en finale. Donc voilà, à un moment aussi, faut pas non plus essayer de chercher des excuses ou quoi. Je pense qu'à un moment donné, je pense que les gens l'ont vu, c'est qu'on a tout donné. On s'est mis minable sur le terrain et malheureusement, c'est pas passé. Et c'est ça qu'il faut retenir. D'autant plus que, vu comment on est parti et vu comment les gens étaient un peu avec nous au départ, mais je vois maintenant que tout est oublié et voilà, c'est ça le plus important. Après tant d'émotions partagées, plusieurs semaines de vie commune, les... Zinedine Zidane se retire, il aura donné à la France ses plus belles années sur la planète football.